Wesh, tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour tout simplement invoquer sur le nouveau portail qui a pop aujourd'hui, celui de Luxus Rate Up. Et du coup, on va voir si on va être chanceux sur ce portail. Deuxième compte, on se fait plaisir, vu que sur le principal, j'ai plus d'argent. J'attends le lendemain pour pouvoir me payer la quasi-totalité de. Simplement des passes et des diamants qu'on peut acheter. Et sur ce, on va partir invoquer. J'ai combien? J'en ai 55. J'ai de quoi faire 6 multi. Impeccable pour la vidéo. Nice. Alors, 6 multi. Combien vous pensez, avant de démarrer, combien de Luxus je pourrais avoir? En sachant que le taux de drop est assez basique. Du coup, on est à 1% sur Luxus, 2% sur les SSR, 0,1% sur les autres, 0,11% plus précisément. Sur ce, on démarre. Oh, un SSR en compte directement. Est-ce que ça sera lui? Est-ce que ça sera lui? Allez. Nice. Excellent. Est-ce qu'on va avoir un deuxième? Ça serait bien, ça serait cool. Jumia, ok. Qui d'ailleurs est une bonne unité. 4 étoiles, bien sûr. Ok, bon. On a eu première multi, ça va. C'est cool. On a eu Luxus. C'est nice. On va mettre un peu de musique pour mettre un peu plus d'ambiance, les amis. Parce que là. Là, c'est un peu mou, c'est un peu mou. Allez, c'est parti. Est-ce que deuxième? Non, pas du tout. On peut skip, on peut skip. Maintenant, on connaît les animations. Allez, go. Non, toujours pas. Mais est-ce qu'on va avoir un doublon sur Mister Soul? Biska, ok, c'est pas mal. Oh, Ulti, 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 c'est cool, c'est cool. Léon. Gadjil, bon, on s'en fout, c'est un R. Gray. Lucia. Elle, j'ai oublié son nom. Ok, bon. Ah, j'ai eu Elfaman au début, j'avais pas capté. Oh! Allez, s'il te plaît. Non, Gadjil. Elfman. J'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom. Ok. Ah, c'est une bonne unité pour break. Natsu. Kana. Léon. ONG. Et. Les bi. Oh, nice! Est-ce que ça serait lui que je vais avoir? Nice, excellent, ben excellent, excellent. Quand je pense qu'il y en a qui ont réussi à avoir 3 persos dans la même multi, 3 SSR. Oh là là. Ah, j'ai rien eu. Biska, Biska encore, excellent. Oh! Du coup, je la passe 4 étoiles sur ce compte, c'est nice. C'est bon ça. On fait deux singles pour terminer. Parce qu'il me faudrait un autre doublon pour le maxer. Ok, bon, non, on n'a rien eu. Ok. Du coup, on récupère les tickets. Ici. Ok, c'est bon. Je pense qu'on aura de quoi invoquer là. Faut juste que je puisse quitter ce truc. Nice. Allez. Reward. C'est pas trop ça que je veux. En vrai, j'aurais eu de quoi faire une autre multi. J'aurais pas dû me précipiter. Pas grave, c'est pas grave. Pas grave parce qu'on va le tester en vidéo. Parce que c'est cool la vie. On va le monter déjà. Avant toute chose, elle.
qui passe 4 étoiles, qui est in... Et elle est vraiment forte, hein. Elle est vraiment forte. Je la trouve vraiment très très forte. Voilà, up gentiment, tranquillement. Allez, c'est parti. C'est là, ok, nice. Je sais pas si j'aurai assez de partout. Ouais, dommage. C'est dommage. Ah, j'ai pas assez. Bon. En vrai, de vrai. Ça, de toute façon, ça, on pourra les farmer plus tard. C'est cool, c'est tranquille. Faut faire 3 combats du coup. Du coup, on va faire tout simplement. Si, on va les faire. On va prendre ça. On change la team. Et ça. On part le tester tranquille. Tout en auto parce que là, je suis fatigué. Il est 22h, je suis KO. Allez, allez, allez. Je jouais elle surtout. Bon, ça commence avec des stuns. Petit stun, nice. On oublie pas qu'il est pas monté à fond. En vrai, si je l'aurais monté à fond, je l'aurais fini. Ok. On va basculer. Ah, elle est vraiment forte, Kana, c'est incroyable. J'en suis sûr que même à contre-chip. Ouais, même à contre-chip. Quatre étoiles, Kana, c'est incroyable. Hein. Ah, vraiment ce perso, je crois que c'est l'un des meilleurs essais du jeu, hein. Vraiment, hein. Je pense qu'il fait partie du top 4 des meilleurs essais du jeu. Il y a Ultia derrière qui est bonne aussi, il y a Wendy, vraiment c'est incroyable. On fait un autre combat. Mais dans tous les cas, je refais un test plus propre pour Luxus parce que là, c'est vu qu'il n'est pas monté et qu'il n'est pas 4 étoiles, ça, on peut pas avoir un avis complet sur le personnage. On va jouer Racer un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, là, oh les dégâts. On rebascule sur... Voilà les dégâts, s'il te plaît. Ah, c'est quoi ces dégâts de Kana? C'est incroyable. Juste pour ne pas être invulnérable. Voilà. Après on bascule sur.
Voilà, on va rebasculer sur le plus. On stun. Et rugissement du dragon foudroyant. Ok. Et voilà, ça c'est. Ah, par contre, lui il va être énervant parce qu'il full stun quasiment. Et le meilleur perso pour ce type de perso, c'est quelqu'un qui fait que le faire reculer en fait. Ou sinon, quelqu'un qui peut faire. Incroyable ce perso, réellement canard. Je pensais pas qu'elle faisait autant mal hein. Et même en PvE, elle est vraiment très très forte. Sur ce, ça sera tout pour cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos invocations, test des personnages tout au long de la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine et prenez bien soin de vous. Peace. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir.